Et bienvenue pour ce quatrième épisode sur Uncharted The Lost Legacy. Alors, on se retrouve ici, parce que du coup, je suis allé chercher tous les jetons en off. Et on va pouvoir débloquer ce qu'il y avait. En dessous. Enfin, il y avait une espèce de. Enfin, quelque chose qui était bloqué là. On va savoir ce que c'était. On va voir. On va voir, on va voir. J'espère que ça sert à quelque chose. Hein, parce que j'espère que j'ai pas fait tout ça pour rien. Allez. Et hop. On a un joli cadeau. Je dirais même un très joli cadeau. Ouh. C'est joli. Mais ça Ça sert à quoi? pourrait rapporter un petit paquet à la vente. Sauf si je le garde. Quoi encore? Allons voir. Il y aura peut-être quelque chose pour toi. Ah, ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir détecter les trésors. Ah ouais, du coup là on peut accéder. Ouais. Ah, oui. Par exemple là, ça vibre déjà. Enfin, ça vibre, ça fait le petit bruit quoi. Hey, regarde qui est là. Langue gris. Hein? C'est des langues gris. T'es adorable. Oh, et la chirurgie. Salut! Alors. Waouh, il y a plein de trésors. Y a un couteau. Il y a une plaque. Et il y a un verre. Nice. Faire tout le tour. Salut. Apparemment, faut faire tout le tour. Les langurs gris. J'aime bien leur visage auréolé de poils. Oh, c'était génial. Oh, attends, j'ai envie de voir la photo. Ah, c'est trop bien. Bon, bah, visiblement, faut refaire le tour. Let's go, let's go. Ah non. Attends. Ah si, c'est bon. Donc voilà, hein, du coup, on a pu entendre le bruit du bracelet tout à l'heure. Quand ça fera ça, c'est qu'on est proche d'un trésor. En vrai, l'utilité, elle est pas dingue, on est d'accord. Très bien, on va voir ce qui se passe avec ces chutes d'eau. Ouais, c'est vrai que du coup, on a fait tous les temples. On va aller se diriger. Ah. Ouais, bon, là. C'est bon, on roule. Ah, il est là! Ah, on n'a pas vu ce coffre! Si on faisait un petit tour. Voyez comme ça sonne? Il doit être là-dedans. Ok. Oh, pour une fois, je l'ai eu vite celui-là. Il y en a un, j'ai galéré une fois. Ah, bah voilà. Yes. Et on a une flûte où on va savoir ce que c'est là. Ok. Allez, voyons voir ces Alors, chutes gardons. d'eau. Fraser, faut que je te demande quelque chose. C'est important. Vas-y. Toi, Nathan Drake, c'était purement professionnel? La plupart du temps. Non, mais comment? Comment? Eh, t'es mal placé pour parler de choix douteux, hein? Assav? Et l'autre là, le gosse de riche? C'était pas des choix, c'était des moyens d'arriver à mes fins. Mais Drake. Il était pas si mal. Enfin, je veux dire, il se croit toujours plus malin que les autres, celui-là. Oh oui, il est incroyablement agaçant, vraiment. Mais il a son petit charme. Et on s'est amusé. Le temps que ça a duré. Mais bon, c'est tout ce qu'on demande après tout. Mais
faut que je te demande un truc. Est-ce que vous parliez chacun votre tour ou tous les deux en même temps? Bon, pour ceux que du coup ils ont un peu la ref, bah vu que les deux parlent beaucoup en soi. C'est marrant ça. Alors attends, parce que je crois que je suis perdu là, non? On est où là? Ah non. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai enfin trouvé mon chemin. J'ai bien fait de vous faire que tel truc parce que j'étais perdu, mais vraiment. Un point. Et voilà. Tu viens? Bien reçu. On est arrivé. C'est magnifique. Combien de temps ça prend de graver un truc comme ça? Des années. Des dizaines d'années. Les Oissala étaient des vrais pros de l'architecture. La guerre aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, non? Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi? Je sais pas encore. Mais je pense... On devrait essayer avec ça. Eh ben, t'as pas cherché loin. Allez. Danse. Essaie de pas tout casser cette fois. Insolente. Là, ça commence à me plaire. Je m'attendais pas vraiment à ça. T'es prête? Ouais, j'ai juste besoin d'un moment. Bon, bah, moi j'y vais, hein. On va pas t'attendre pendant une heure. Voilà, alors changement d'ambiance. Waouh. Bienvenue au centre d'Alebidou. Pour le coup. Le dernier emplacement connu de la défense de Ganesh. Ça c'est joli. C'est magnifique. Quoi? T'as l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors comment on entre? Attends. Ouais, la couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Les Perses ont dû entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. Tu devrais prendre une photo? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne. Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Non, non, c'est rien, ça va. Alors, on va visiter Alebidou? Ouais, bien. Je m'en doutais un petit peu, hein, de la façon dont elle avait parlé dans les épisodes précédents. Ça s'entendait. Ouais. Imagine ce qu'il a fallu pour faire ça. Les artisans, les ingénieurs. Ouais, leur œuvre a résisté autant. Contrairement à eux.
Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple. Il n'a pas créé une cible si elle échappe. En tout cas, c'est bien spécial, hein. Construire des deux grosses statues comme ça, au beau milieu de l'eau, là 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 là. Faut descendre là. Moi j'allais sauter dans le vide là. Tout va bien. Il n'y a pas un petit trésor là, ça bipait. Ouais, il n'y a rien visiblement. Ah. Jo. Oh non, j'ai perdu le dialogue. Tant pis. Tant pis, tant pis. Et hop. Cherche un moyen de monter. Attends. On cherche un moyen de monter, mais j'ai un trésor qui vibre à mort et que bah ça s'entend. Ah. Regarde là-bas. On aperçoit des structures juste en dessous des chutes d'eau. T'as raison. Photo, photo. Ça sert à quelque chose ici, là? Ah, visiblement à rien. Très bien. Bon, on va aller grimper là-bas. Ouais, c'est... Ah! Ok, non, c'est bon. Ah, oh, j'ai cru que j'étais mort. C'est bon. On est parti alors. Hop. Ok. On... Par contre, ce trésor, je... Enfin, ce collier, je sens qu'il va me saouler. Hein. Ouh, j'ai failli, j'ai failli ne pas appuyer sur carré, là. Bon, je sais pas où ils sont. Hein. Non, 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 pourquoi tu t'accroches pas? Pourquoi est-ce que depuis... Je disais, pourquoi est-ce que depuis le début de l'aventure, quand je fais ça, ça... Mais pourquoi il veut plus s'accrocher, là? Pourquoi? Très bien, hein. Moi qui voulais sauter. Par contre, faut aller où? Oh, ok. Je ne fais que passer. On va monter. Non, j'ai dit tu vas monter. Voilà. Oh merde. Je sens que ce passage-là, je vais aimer. Non mais vraiment. Et... Regarde, faut aller où? Oui, allô, bonsoir. Merde. Non, non. Et si tout simplement... Non mais, ça y est, pète un câble. Allez, par là. Voilà, il fallait juste faire ça. T'arrête pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps si tu disais que ça va. Oh, merde. Ah, bordel! Au fait, ça craint vraiment, ici. J'ai vu. Tu vas pouvoir remonter? Ouais. Continue, je te rattraperai. Ah bah tiens, hein. Quand tout va bien, bah tout va mal. Hein. C'est bon, je te tiens. Et heureusement que ça lâche tout le temps quand on est en haut. Qui compte. T'avais pas dit que Ganesh était le destructeur des obstacles. Il en placera sur ta route s'il pense que ça te sera bénéfique. C'est pour ça que les Oxalan l'ont choisi pour aller bidou. Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Ce
celui que tu pries pour avoir prospérité et réussite. Je vois. C'est cool. Ça, par contre, c'est toujours la même chose. Dans les jeux Uncharted, quand t'as un dialogue, tu peux pas monter. Non. Oula. Et comment ? La corde, elle va lâcher, tu vas voir si tu vas t'éclater. Ah ! Regardez, ils ont même gravé les bagues et tout, c'est vachement joli. Merde. Fou. Ah, il est chaud. Oh, laissez-le là où il est, celui-là. On va où là? Attends. Je crois que. Ouais, il faut encore grimper, oui. Je me disais bien. Enfin, je crois. Oui, oui, c'est bon. Jusqu'à la couronne. Oh merde. Oh, merci. Dépêche-toi de grimper. Je glisse. Au pire, on peut prendre notre temps. Hein. Oh, je sais pas comment est-ce qu'ils font ça, quoi. Waouh. Descendre là. Tu sautes? Non mais en plus c'est vraiment ça, regardez. Il faut aller où? Alors, une petite seconde, laissez-moi réfléchir. Faut que j'aille, bam. Bah en même temps, si tu pouvais me dire où je pouvais y aller. C'est pas à droite. Ah ok, j'avais pas vu ça. Désolé. Oh. Allez. C'est chaud. Bah, eh oh. Ensuite. Ah ok, ici. Ok. Ça m'a l'air plus solide ici. Parle pas de malheur. Là, ça va nous lâcher. Non, 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 mais... Oh là là. Faudrait compter combien de fois je suis mort dans cet épisode. Je crois vraiment... Bon, l'escalade et moi, franchement, dans tous les jeux Uncharted... Non, merci. Notre entrée avec l'aimable autorisation de l'armée perse. Bonsoir. Waouh, joli tir. Les Perses devaient avoir un trébuchet. Un trébuchet? Tu pourrais pas simplement dire catapulte, comme tout le monde? Un trébuchet est une sorte de catapulte. Il peut tirer des projectiles plus lourds, comme celui-ci, et les lancer plus loin. T'as appris ça pendant ta formation militaire? J'ai cherché sur Wikipédia. Comme tout le monde.
Oh merde. Ouf. J'ai chaud. Incroyable. Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Les amis, on dirait qu'ils battent. Quand les dieux hindous ne combattent pas les démons, parfois ils se battent entre eux. C'est pas un combat équitable. Ganesh est même pas armé. Oh, j'imagine que c'est pas vraiment son style. Ils sont bêtes. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de morts, ils se battent encore entre eux pour rien. Mais t'es tombée dans l'eau! Pourquoi t'es morte? Incroyable. Ils ont vraiment sculpté cet endroit dans la montagne. Ouais, on dirait bien. Je vous jure, celui qui me met le nombre de fois où je suis mort dans les commentaires. Ouais, on dirait bien. Je mets son nom dans la prochaine vidéo. Ils ont barricadé la porte. Ça leur a pas servi à grand chose. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Perses débarquent par en haut. Après deux invasions, on aurait pu croire qu'ils s'étaient préparés à tout. Ou ils pensaient tout simplement qu'ils étaient invincibles. Non mais regarde, sans déconner, je suis tombé ici quoi. Il n'y a rien en fait. Très bien. Par contre, ces espèces de portes, elles sont vachement jolies. Enfin, je vois, vachement jolies, il y a mieux, hein. Mais... genre, c'est ultra stylé. Prends une photo. Ah, j'ai trouvé. Il y avait un trou dans le mur. Eh, regarde, des armements. T'avais raison, Nadine. Ça m'arrive. Waouh, on marche sur des. On dirait. Ah. Percé, Oïsala. Voilà, là, on avance. Bah, allez, prends-le, ton trésor. Je me demande bien où est-ce qu'elle les met. Encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super. Enfin une qui fonctionne. Et voilà. Enfin un peu de lumière. Waouh. Dans une crypte. Les cryptes et les funérailles, c'est pas vraiment un truc hindou. Ils préfèrent la crémation. C'est une belle cérémonie, anti-eshti. Un mot sanskrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. Hé, hey, là-haut. Trop tard, mais pas qu'un peu. Oum. C'est quoi tout ça? Merde. C'était ici, leur dernier combat. Ça a pas suffi à sauver leur empire. Bon, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Dans Uncharted 1, 2, 3, il y avait du surnaturel. Est-ce que... Je sais que dans le cas, je n'aille pas. Et est-ce que dans celui-là, du coup, il y aura quelque chose? C'est une bonne question. En tout cas, genre tout ce qu'il y a là, ça pourrait tellement faire croire qu'il y aurait ça. Genre des espèces de zombies, ou va savoir ce que voilà c'est. Là. Un peu fermé ton entrée. Nadine, tu m'aides à déplacer notre ami? Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Et là, bram, il te mord la main. Encore un. Désolé. Oh, ça doit puer là-dedans. Quoique non, avec des os, mais ça doit quand même puer. Rapprocher. On est plus proche que ces types. En tout cas, les salles sont jolies. Le mécanisme me dit quelque chose. Oh non, ça c'est une énigme. Ça ne va pas ouvrir l'eau là-dedans. Oh non, ça c'est une énigme, je le sens.
Non. C'est quoi tout ça? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama? Ouais. Oh. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Ouais, enfin, j'ai essayé d'ouvrir cette porte. Ça marche. J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Alors, cette énigme, pour tout dire, j'ai déjà vu. Enfin, pas comment est-ce qu'on l'a fait. C'est la pièce loin de moi. Mais genre, j'ai déjà vu cette histoire. Oh, purée, ça a l'air vachement compliqué. Essayons ça. Je crois que c'est bon. T'as réussi. La porte est ouverte. La routine, quoi. Salah et le tigre. Allons-y. Croise les doigts. C'est normal, ça? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête? Oh, oh, oh. Fais gaffe. Incroyable. Nom d'un Shiva. J'allais le dire. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien. Tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Salah se payent notre tête, voilà. Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Belour. Belour, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Belour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Belour? Merde. Là, je suis sûre que c'est pas normal. Il va tomber. Accroche-toi au rebord, vite. Je vais bien. Vas-y. Tu vas bien? Comment on a fait pour survivre? Le talent. Et un brin de chance.
Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang. Oh, tu visais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Oh. Oh. Hey. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Les aqueducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui tout fait. Frimeuse. Écoute... Pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant, comme toi. Je suis sûre que tout ça n'est pas passé inaperçu. On ne devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi. Ouais. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, on n'a qu'à suivre l'aqueduc. Bien reçu. Je passe devant. Ok, alors voyons voir ce qu'il y a. Pff, j'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. En tout cas, impressionnante hein, cette partie. Très très jolie. Oh! Alors ils ont inondé leur ville pour protéger leur secret. Je crois que les soldats savaient qu'ils servaient de leur... L'honnêteté n'est pas toujours la solution. C'est vrai. Tu dois t'assurer que ton peuple te suive à 100%. Tu crois qu'Assav cache des trucs à ses hommes? Sans aucun doute. Oh, ça fait longtemps. Mais regarde cette montre. J'ai pris un vieillard en ville. Vieil enfoiré, il l'a pas lâché facilement. Ah. Mais... Et voilà. Oh bah trop tard en fait. Ah on aurait pu... Ah j'aurais pu économiser mes mines. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Mais j'y aurais. Salut. Rien de personnel. Bien bien bien. Oh merde. Ah, salut! Boum! Pourquoi j'ai plus mon arme? J'ai plus mon arme! Oh, what the fuck! Waouh, je vais mourir! Oh mais c'est abusé! C'est abusé! Attention là! Ah non, 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 non! Voilà, merci! Saute! Donne-moi ton arme! Vite! Merci! Oh putain, c'est le dawa! Tiens, mange ça, tu veux ? Oh merde. Ah là 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 là, vas-y, 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 vas-y. Ah ! Bonjour ! Oh purée. Ah plus ! Je me taille. Je vais pas rester là. On va aller chercher Madame Rose. Ah ok, non, c'est bon. Tiens,
Mange ça, tu veux? Voilà. Va voir en bas si j'y suis. Merci pour tes mines. On se casse, on se casse. Par où, s'il vous plaît? Merde. Ok, non, c'est bon. Mais allez, 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 allez. Va en bas, s'il te plaît. Merci. Oh purée. Fouh. Il a volé le gars. Rush, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Ok, c'est bon. Ah. Tu peux m'aider à ouvrir la porte? Ouais. T'inquiète. Non. Ça va? Tout va bien, tout va bien. Où on est là? Aucune idée. Mais au moins on n'est plus dans la ligne de tir. Espérons qu'il y a une autre sortie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au moins on n'est plus dans la merde. Le truc gravé sur le sol, c'est quoi d'après toi? Ça présage rien de bon. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh. Ah merde, mais j'ai plus de... On dirait un mur qui peut se casser, ça. Attends, vous avez entendu? Il y a un truc derrière. Ouais, mais ensuite... Mais pousse-toi! Ok, c'est bon. Là-haut, je crois qu'il y a un passage. Ok. Il y a de la lumière là-bas. Pauvre type. Je sais pas, je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. Ouais, bon, après, c'est au goût de chacun. Bon, en fait, c'était ici. Attends. Oui. Il y a de l'eau. Voilà notre duc. Bien, bien, bien. Là-haut, il y a une brèche. Oh merde!